National, je pense qu'on va le faire vendredi ou samedi prochain. Ça vaut quoi, Pokenchop, chef? On va faire un invitational vendredi ou samedi prochain. 8 équipes de 2 en 2v2. Mais 8 équipes issues de 8 jeux différents. Team Mortal Kombat, Team Street Fighter, Team Smash Bros, Team DB, Team Marvel et compagnie et compagnie et compagnie. Donc, faut que je finisse de rassembler les équipes, en vrai. Que les gens jouent le jeu, on va faire ça bien. Et normalement, dimanche, je ferai le tournoi solo de IB la semaine prochaine. Si je suis présent, mais normalement, je serai présent. Ce qui est un peu chiant, tu vois, c'est que les tournois 256, 128 en ligne, ça dure une plombe et je déteste attendre pendant ce genre d'event. Donc, je pense que dans tous les cas, je serai en stream dimanche après-midi si je suis chez moi. Donc, je me suis dit, bon, autant être en stream, jouer et faire mes matchs quand j'ai mes matchs à faire, et puis voilà. Tu vois. Ça va ou quoi, Seraph ? Encore 2 jours, ouais, encore 2 jours. Malheureusement, ouais, c'est le format qui est un peu long sur le 3e jour. Parce qu'au final, on a fait 4 poules. Là, on va refaire encore une fois 4 poules. On va encore refaire 4 poules, parce que la phase 2, c'est 4 poules. Puis, on va voir. C'est vrai que ça peut faire plein d'équipes impact. Après, moi, normalement, je suis censé caster. Mais en vrai, si je trouve des mecs chauds pour caster sur le Discord, je peux me mettre dans une équipe moi-même. Tu vois, donc comme ça me permettra de jouer aussi. Et ça, c'est cool. Bon alors, c'est comment de votre côté là? Vous avez dosé un petit peu? Vous jouez quelle équipe? Vous jouez quel personnage? Est-ce que le jeu vous plaît? Est-ce que le jeu vous plaît pas? Vous aimeriez voir qui à la sortie? Parce que je crois qu'ils avaient confirmé, hein. Je crois qu'ils avaient dit que le jeu... Je crois qu'ils avaient dit que le jeu sortirait avec 16 persos, non, c'est ça? Ah, c'est vrai? Vas-y, d'ailleurs, en plus, je t'ai dit tout à l'heure, Impact, je sais pas si t'es toujours dispo. Mais je suis là si tu veux après. De toute façon, là, je peux streamer quoi? Je peux streamer jusqu'à 14 max. Et encore, déjà, je vais devoir envoyer un message à l'équipe de WC pour leur dire: putain, je suis en retard, j'ai un truc important à faire. Wesh, Mehdi, ça va ou quoi? Comment, chef? Ooh, ready. Let's go. Wesh, Benkar. Oh là là, t'es un chef, merci pour les 31 mois d'abonnement, beau gosse. Yo, ça Spartam, ça dit quoi? J'aime bien Ilaoi et Yasuo. Ilaoi, c'est très stylé, hein. J'ai pas encore bossé le perso. J'ai joué un peu avec Pape hier. Pape super bien, ça, dans son équipe sur le jeu. Donc, c'est vraiment cool. Je vais lâcher mon sub, on se yak avant les vacances. Merci à Gazio. Ça part un peu ou bien ça reste dans le coin? Ça fait bounce. No quarter. C'est la version classique, mais tu peux faire plus de dégâts que le deuxième coup, juste que le recapture il est plus dur. Une deuxième, faut attendre. Hop, oh, j'ai pas attendu. Voilà. Bah
Wesh Kabil, déjà si j'avais des vraies infos, je te les donnerais pas. Parce que ça voudrait dire que je suis sous NDA. Mais du coup, comme j'ai pas de vraies infos, je sais pas en vrai. C'est une excellente question que tu me poses. Bah oui, je vais pas te donner une info si j'ai signé un papier pour pas te donner d'infos. Ça reviendrait à perdre mon boulot, tu vois. Mais en vrai, j'en ai aucune idée. On dit tous à peu près que le jeu sortirait en 2025. Là, on est sur une alpha, il y a 6 persos. Bon, s'il y a 6 persos, ça veut dire que peut-être chez eux, ils ont déjà 8-9 persos de près. Sachant qu'il faut 16 persos. En vrai, je sais pas. Et il faudra attendre les retours de l'Alpha Lab, voir ce qu'ils veulent changer, améliorer, modifier. Donc en vrai, c'est une bonne question, mais je sais absolument pas. Après, bon, vu qu'il y a 3 Evo par an maintenant, tu sais, loin, tu vois. Wesh, Pape, ça va ou quoi, mon ref? On est là, hein? Ça dit quoi? Bah, on a bien dormi. Bien dormi? Voilà. Ça, c'est bien ça. Attends, c'est ça. Ah ah! Y'a pas Pounet, les gars. Je veux mon ticket d'or, bordel. C'est quoi le ticket d'or? C'est tout, moi j'ai fait aucun match random pour le moment, donc je crois le Battle Pass il est à 0 chez moi. Ouais, moi aussi. Ah, tu vois, c'est. Ça, tu vois, c'est le vrai Battle Pass des mecs de la FGC, malheureusement. Ça veut dire Battle Pass, sauf que les mecs de la FGC, c'est soit ils sont en lab, soit ils sont en train de s'infiniser avec un mec. Parce que bon, quand tu lances, c'est un peu des. Un peu des FT2, donc bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour level up. Pour level up un format tournoi, oui, mais c'est une alpha, pas spécialement faire des tournois. Par possiblement celui de la semaine pro, là, je me suis inscrit. Mais j'aurai le temps d'ici là de faire du FT. Non, j'ai pas testé le 2v2, non. Tous les streamers, le ticket d'or et la plèbe regarde. Ah ouais, pourtant sur mon Discord, quasiment tout le monde a sa clé. Hein. Plus tous ceux qui sont partis à l'Evo, surtout. Il y avait plus de 10 000 personnes à l'Evo. Tous ceux qui ont scanné le QR code à l'Evo, ils étaient garantis d'avoir une clé aussi. Donc, non, il y a vraiment pas mal de gens qui ont des clés. Hein. Hop, j'ai une question, Pape. Ouais. En neutral, quand tu touches sur Medium Heavy. Avec qui? Avec Brom. Comment ouais. tu launches sans le mur? Medium. Attends, medium gros. Si le mec est au sol? Face à face, ouais, au sol, tranquillement. Moi je fais 2H, 6H après. Hop. Ok. Et après tu fais quoi? Et après je fais S1. S1. Ok, mais S1, du coup, si t'as pas le bouclier, ça fait pas le rebond contre le mur, non? Bah si. Ça le fait quand même. Si, ouais, ça le fait quand même, ouais. Y a pas besoin du bail. Quand t'as le bouclier, ça fait juste un projectile qui gèle, mais si t'as rien, ça fait le wall bounce mid-screen, tranquille. Ok, magnifique. Le WC, il commence à quelle heure aujourd'hui? Pareil qu'hier. Hein. 15h ou 16h, je sais plus. Ça commence à 15h30, mais genre nous, ils nous convoquent à 13h30. Mais je vais faire en sorte de. D'arriver plus tard, comme aujourd'hui. Comme hier, pardon. Puisque c'est, j'ai envie de jouer, moi. Comme ça, je me fais agarre. Vas-y, attends, je vais t'inviter. Sur le. Oui, vas-y, ouais. J'ai pu faire 2-3 combos avec mes persos, je suis content. Ah, ça, c'est bien ça. Moi j'ai joué un peu hier soir finalement après le taf. Je me suis douché, j'ai regardé la fin de la boxe au JO pendant une petite heure. Et vers 23h j'ai rejoint Iti, on a joué 2 petites heures hier soir je crois. 1h30, 2h, un peu moins. Ah, le jeu est cool hein, mais encore une fois on est full en apprentissage. Je me sens toujours gaze de ouf. Mais c'est le bon gaze. C'est en mode gaze mais j'apprends des choses un peu à chaque longue session. Enfin, j'en ai fait que deux, une avec toi, une avec Iti. Mais comme vous êtes des joueurs de qualité. Tu ressors de la session, tu te sens meilleur, tu vois. T'as appris plein de trucs. Ok, attends, hop, on va faire ci, mon bon pape. Hop là. Invité dans un lobby privé. Est-ce que tu as commenté le tournoi XKO l'autre jour? Non, l'autre jour, finalement, non, parce qu'encore une fois, je me suis fait massacrer. Je t'ai dit,
Le format EWC avec TPK, ça nous, c'est assez costaud. Surtout vis-à-vis de la chaleur, moi, dans le bureau et tout. Donc, j'ai pas fait la nuit blanche derrière. J'ai préféré dormir pas trop tard pour justement pouvoir streamer le lendemain. Du XKO. Ouais, Sonic Fox, du coup, il a gagné le tournoi. Et ouais, pareil, il avait vraiment pu doser aussi en avance. Bah, de toute façon, Sonic Fox, Diaphone, Super Noon, Leffen, Sajam, tous ces gars-là, ils ont pas le même nombre d'heures que nous, je vous précise tout de suite. Ça, c'est réglé. Et puis après, bah, Sonic Fox, encore une fois, il n'y a que les suceurs de japonais qui pensent que c'est pas l'un des meilleurs joueurs de l'histoire des jeux de combat, tu vois. Donc, c'est un super fast learner, tu vois. Donc, sa victoire ne m'étonne pas. Même s'il y en a qui pensent que Leffen est dans son cast et dans sa caste de niveau, ils vont apprendre. Bon. Ouais. C'est bon, ouais, c'est bon. Ok. Merde, j'ai pas eu le temps de taper. Okay. Signe. Exactement, les génies s'entraînent par contre, ne détrompez-vous. Hein. Il apprend plus, largement plus vite que la moyenne parce qu'il sait quoi t'as fait, il a une compréhension des jeux de combat beaucoup plus avancée que le joueur moyen. Et supplément, c'est un champion frère, c'est un 6-7 fois champion de l'Evo, tu vois. Je pense qu'on n'a pas à refaire sa carte de visite. Oh, j'ai raté. Non, tu m'as dit, c'est bon. Faut que je m'habitue, ouais. Bas médium, enfin si je fais médium, 5H. Faut que je fasse bas H, 6H, et que je balance. Oh. Ah, j'ai pas eu le temps de taper. Ouais. Ah, c'est bon, ça. They got the axe. Darius wins. Ça dit quoi, Over? Ouais, j'ai client, facile, j'ai Riot. Non, c'est vrai que Impact, il a déjà un très bel historique avec Riot. Let's go. J'ai rien. Voilà.
plus, ouais, y a pas... Oh là là, ça fait chop comme motable avec la tentacule. Magnifique. Ah, oh, attends, ok. Ah ouais, y'a un pack qui envoie des codes là. Ouais, n'hésitez pas à se b, les gars. Non mais ma garde, wesh, pourquoi elle saute? N'hésitez pas à se b pour plus de contenu de l'XKO. Magnifique. T'as tu? Non. Non. Pas ce que je voulais faire. Oh. Un pack, c'est le Père Noël, pas cher la clé. Hein, oh, pas cher, hein. Arrête, bon, on fait pas payer des clés ici, vous êtes sérieux? On est sur un stream de gens intègres. Oh, pourquoi? Taiga, tu vas t'investir sur XKO? Ouais, je pense. De toute façon, c'est un... C'est un tag. C'est le jeu qu'on a le plus streamé sur cette chaîne, c'est Dragon Ball Fighter. 1500 heures de stream dessus. Donc nous, on attend ici le jeu avec impatience. Et puis, on verra selon les opportunités, tu vois. En tout cas, dans tous les cas, je dose. Parce qu'il faut que je connaisse le jeu. Peu importe si après, j'essaye d'être dessus en compétiteur ou en commentateur. Je dose, je m'imprègne du jeu. Comme ça, je serai bien pour proposer des trucs dessus. Oh là là. Oh non, sérieux. Viens ici un peu là. Mais à Paris Games Week 2022. Ok, ouais, non, ouais. Alors on a streamé pas mal de jeux, tu vois. On a streamé pas mal de jeux en vrai. Mais c'est vrai que sur DB on a streamé pas mal. Et puis DB, c'est le jeu, on s'est vraiment ultra investi. Bon, tu vois, le Galaxian Explosion était créé sur DB. C'est un peu l'incubateur de talent, le Galaxian Explosion, tu vois. La première fois qu'on a vu des joueurs comme Jarad en stream, des Yasha en stream, des Kasuga, c'était sur le Galaxian Explosion à l'époque, tu vois, parce que je voulais faire un truc où on mettait pas en avant que les top players de l'époque, parce qu'au début ils étaient pas top players, les blasts que je vous ai donnés. On leur permettait de s'exprimer dans des sets de haut niveau, tu vois. T'as pas tué, ok. C'était un peu ça, ouais, les Yasha Wade, tout ça, qui sont en plus devenus top sur la saison 2. Ouais, la saison 1, c'était un peu plus timide dans l'apprentissage. C'est de beaux souvenirs, tu vois. Donc c'est 4 ans et demi un peu de ma vie dans le milieu. En passant par une année et quelques de compétition à fond, où j'ai quand même fait un petit peu d'argent et pas mal de médailles aussi. Et après, full créateur de contenu dessus, et surtout full organisateur d'événements. Et commentateur, tu vois, donc... On se dit XKO, il a l'air de bien se lancer, on est un peu dans ce que j'aime.
ça joue bien, ça joue vite, il y a des mix-up de fou furieux, il y a des gens que j'aime bien. Sonic Fox, il vient de Mortal Kombat avec nous. Attends, Ski qui est sur la map là. Faut faire des choix là. Oh, pas voulu. Ace. Ah, les bons souvenirs. Hein. En gros, je vais t'expliquer, Taiga. Attends, parce qu'il y a Illaoi là, qui est en train de m'attraper. Mais je vais t'expliquer comment se sont passées un peu les dernières années. Enfin, du moins, les années plus, on va dire, de 2015 à 2020. Ah, bien joué! Le burst! Pas de burst! J'ai pas eu le burst à temps, chef. Hop là! Non! Oh, vas-y! Ah! Ah bah. C'est un peu ça, ouais, Taiga, en gros. On faisait des compètes sur MK. Merci pour les 6 mois d'abonnement TLS, tu vois. Je rejoins la commu MK un peu il y a une dizaine d'années, un peu moins de 10 ans. Et je fais tous les tournois, je m'impose un peu dans la commu après. J'ai mes petits Sensei, Juju, Jamie Kadi. Puis on fait un peu le tour de l'Europe, on crée les Yuzu avec Flash Snow, on recrute les Flash Snow, Shindoa, tout ça. On gagne tout en Europe. Sauf qu'à l'époque, sur MK, c'est quand même assez boudé en France. Donc en Europe, on est super apprécié. Mais en France, on est un peu, on va pas dire dans l'anonymat, tu vois, mais on est là que sur les grands rendez-vous. La Rock Winter, la Rock Summer, le Stunfest, les conneries comme ça, tu vois. Après, t'as DB qui a annoncé et qui sort, et je me dis, écoute, en ce moment, bah, je suis compétiteur à. Pas à temps plein parce que j'étais étudiant encore. Je me dis vas-y, il y a un jeu qui sort qui va marcher en France, faudrait peut-être que je m'y mette, comme ça on va se mettre bien au niveau de la commune française de jeux de combat. Et c'est pour ça que j'ai commencé la compète ensuite sur DB. J'ai pu faire d'excellents résultats et après j'ai arrêté parce que j'aimais pas la direction que prenait le jeu. Comme tu vois, MK11 j'ai arrêté tout ça. Par contre, je suis pas forcément. Je suis pas un mec des attaches biaisées mauvaise foi. Si un jeu il me plaît plus, moi j'arrête, tu vois. J'ai toujours dit, faut pas que ça devienne toxique le jeu de combat, donc à partir d'un moment, si ça vous plaît plus, on va essayer de jouer. Et du coup, c'est un peu comme ça qu'on a fini sur DB. Oh, pourquoi c'est pas cancel? Et DB qui était mon premier du coup tag team compétitif. Au début j'étais vraiment nul hein, franchement j'ai fait la route dans l'ordre. Je suis allé voir White Black, dit ok White Black toi t'étais top à Marvel. Je vais venir jouer avec toi tous les soirs sur ton stream. Et après je vais m'occuper de vous, tu vas voir. Je demande à White Black, il est là. Hein. J'allais sur son stream day one, il me mettait des 10-0 et tout sur son live. Et après un mois et demi et tout, deux mois, au ciné session, celui qui était la wiki parisienne de l'époque. Je commençais un peu à tous les gagner et tout. Mais surtout quand on était bien entouré, on avait un bon cercle de gens pour taffer. Il y avait Over, il y avait White Black. Il y avait pas mal de gens, donc c'était super cool. Ah, j'ai pas des chops. J'ai appuyé carré croix hein, pour des chops. On notera. J'arrête de dash avec deux fois avant. Wesh, ça fait mal. Ah
Oh, je me suis fait fouetter. Ouais non, les Galaxian Explosion, c'est un truc que j'ai lancé en 2018. Ça a 6 ans aujourd'hui. Et vraiment, la mission avait... c'était un succès hein, de ce qu'on voulait en faire à la base. Ouais. Non, c'est pas une fois, c'est deux fois. Oh, je suis mort. Vraiment les deux autistes du coin. Nice. C'est pas en ref à Garp les Galaxian. Attends, en terre inconnue, t'as quel âge? Oh non, putain! Bien joué, Pam. C'est laquelle, ça, super safe? Enfin, en bloc. Non, c'est pas le bon truc, pourquoi il fait ça? Agazio. Oh, oh, oh. Nice. Eh hey, bâtard, vous lui avez même pas laissé le temps de répondre. Il a dit j'ai jamais vu Senseiya, désolé. Vous l'avez mis dans le coin, wesh. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais ok, ouais, je vois ce que tu veux dire, Over. DHC sur Brome et la super là. Belle époque, Menka. Ça y est, un impact. En plus, avec 2XKO, il y a un monde où il y a beaucoup de jeunes qui passent par nos chaînes. Tu as commencé à parler de Senseiya, ça va me dire, ouais, je veux quoi l'ancien. Il y a des bonnes prières sur ça. Oh, ça me saoule. Ça rate beaucoup là, que ça se passe. Whoa!
Oh non, ça me safe. Oh, 5K, ça me fait la course. Nice. Oh, les décalages. Bon. Non, ça va être fou. On va voir. C'est sur PC ici. Ah, c'est un spécial. Ça marche comme 6P ça? On dit rien. À LOL, j'ai un peu peur que les loliens viennent envahir la commu versus, ça peut vite dé... Mais il va rien se passer les gars, c'est des jeux vidéo. Il y a personne qui va venir en bas de chez vous avec un couteau. S'ils aiment bien le jeu, tant mieux pour eux. S'ils aiment plus, bah tant pis pour eux aussi. Non, il n'y a pas de dragon dans le jeu, il y a des coups armor. Papayou, ça va et toi? Ça va ou quoi, pardon? Bonjour, Rudy. Ready. Let's go.
Non, j'ai raté la suite du combo, wesh. Ouais, j'ai testé les cadres comme dit. Ok, je peux même pas bloquer en fait, même si je fais pas le follow-up. Ok. Ça sort super vite, ça veut dire. Je fasse le pressing, ça veut dire. Alors quoi, Senzo? J'ai trouvé quand même super bien. Senzo, ça va. Bah on est là, on essaie, hein. C'est. Vas-y, mais après, bah, comme tu le sais, après je peux pas doser dans le reste de la journée. Donc, on profite du matin et les copains. Faire gaffe, on a besoin de ses joueurs dans le coin. Ah ça va, pour l'instant c'est cool, Harry. Yo, je suis au player. Non, il y a pas mal de super non invincibles. Il y a quelques super qui ont des armors, mais il y a pas de coups invincibles, je crois. À part peut-être la level 2. Non, backdash, pourquoi il vient en avant? Ouais.
Incredible! Braum wins! Flashno, ça va ou quoi? C'est comment t'entends? Tu veux passer nous voir là, mon vocal avec pop? Quand t'arrives au stage 2. Jason, c'est quoi? La porte. Hold the door. J'espère que... Ok. J'ai pas encore invité quelqu'un avec mon code, moi. Normalement c'est en bas de ton mail, on m'a dit hier. Quand tu rentres ton mail, pardon, je crois que c'est dans, soit dans le Launcher Riot, soit au-dessus. T'as un truc invite friend, je crois. Ready.
tu reçois pas un code, c'est un vide quelqu'un. Non. Non, ressenti général est bon, ça va dépendre un peu des gens. Bah, ceux qui aiment bien ce genre de jeu où il y a des airdash, où il y a du tag et tout, généralement ça va. Il y a la prise en main après qui est un peu différente sur les boutons surtout. Parce que le layout de base je le trouve horrible. Après, il y a Pab qui m'avait fourni un autre layout. Dépendre desquels, ouais. Donc, c'est les colonnes de Brome, c'est comme ça pousse. T'as fait à toi, à moi. N'utilise pas VB le Boski. On fait la dernière assist les gars, c'est le bouton d'assist normal. Ce qui fait la super je crois en plus. En assist. Go! 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 Go!
Pourquoi je suis passé derrière? Je suis pas bébé. Pas bébé, c'est bien. Shiryu, ça dit quoi? Comment, frérot? Let's go. C'est maintenant, là. Ah, pourquoi ça a pas touché? Oh non. Nice. Un mec sur Twitter, c'est que t'avais vraiment l'impression d'affronter les persos de LoL. Ceux qui ont un peu joué à LoL. C'est qu'il n'y a pas de garde dans les backdash, donc tu dois te déplacer en... Oh.
Oh, ça a cassé le bouclier. C'est relou de cancel les dash et les backdash, j'aime pas. Eh, c'est normal, arrive la facilité, wesh. Avec le bouton, c'est bien relou de cancel mes flemmes. Oui, après, c'est ça, c'est que t'as un raccourci en plus. Mais après, c'est du Marvel, hein, ça, c'est du Marvel, de toute façon. Dans Marvel 3, tu te déplaces comme ça. Hein. Dash cancel, dash cancel, dash cancel. Ça rajoute un peu d'exé dans le neutral, tu vois, là où déjà y'a pas de motion input et tout. Donc c'est cool en vrai. Let's go! Chopa. Non, dans le backdash, tu vois. Au moins ça permet d'avoir des ouvertures en neutral sans des backdash, là où t'as des jeux où bah, que tu recules, il se passe rien. Tu vois, ça force pas plus que ça l'interaction. Gros balèze, bien sûr. Non, non, je voulais faire backdash. Ça c'est le bouclier. Ça permet d'absorber un coup et de recover plus vite et punir du coup des trucs pas finissables de base. Maëri, comment j'ai fait? What? Attendez, attendez, il a crush là. Oh putain, petit birthday. J'ai déplacé l'assist trop tard. Chopa. Je vais atterrir derrière tranquillement, n'oubliez pas taper. Des Blue Screen of the Dead à cause de Vanguard. Non, pas de notre côté en stream en tout cas. Let's go. Seize.
Ah, dit, c'est pas invincible. Hein. Je vais choper dans la super. Bon petit déj d'ailleurs, Nolo. Oh non, j'atterris derrière. Hey. KO! KO! Les petites spéciales pour le ending Brom Special. C'est très stylé. Brom Stoppable, pardon. Bobby, ça dit quoi, chef? Ça profite du mois d'août ou ça profite pas du tout, là? Brom is nice guy. Ready. Let's go. En retard sur la déchoppe. Hein. Oh là, commissaire, merci pour le sub, chef. Ça tue. Je pense pas, mais vas-y, on défonce. Let's go, les poros. Meurs avec le burst. Yeah.
Radical, ça va? Oh, je suis passé en dessous. Ça, ça attrape. Indomitable. Illaoi wins. Starting now. Ready. Ready. Let's go. Ouais, Nelson, super bien réussi le personnage par rapport à League of Legends. Ça m'est bien quand même la top 3 en vrai. Je sais pas ça joue qui dans le chat mais... C'est vraiment propre. Pourquoi je prends ça max range, j'arrive pas à... Je le trouve à distance. Right. La clé, j'avais pas eu le temps. Ouais. That time. Brom, Darius aussi, mais il y a d'autres persos en vrai. Ouais, après c'est la fin. Ça attend qui là pour le jeu? Enfin, ça aimerait voir qui des One.
J'ai pas vu qu'il y avait plus de PV en vrai. Le Brome sauvage. Je mets une Vel'Koz mais je vois vraiment pas comment le faire dans un versus, dans un jeu de combat. Ouais non, pas de Vel'Koz ici les gars, s'il vous plaît. Même s'ils arriveront quand même à le faire, mais bon. Garen 7, ouais, Garen 7 c'est garanti, Riven c'est garanti. Jarvan 4 c'est garanti, ici Nidir, tous ces persos. Après c'est de voir Jinx aussi parce qu'elle sera dans le jeu en release. Je sais pas si je vais la jouer tu vois, mais c'était mon main, c'était mon main ADC, Jinx. Je pense pas que ça se retranscrira ici. Ouais, quand même, c'est différent. Genre. Bah, elle avait tout dans la présentation. Elle avait le zapper, tous les trucs. Végard, c'est possible. Ah bon, moi c'est vrai que j'ai un peu la flemme des petits persos. Timo, c'est pas lol, je suis désolé. Bah exactement, c'est pas lol et on mettra pas Timo. Voilà. Toute porte après le FH. C'est FHA, c'est 6HH. One, two.
It's that time. Et pour où? La range de Braum, par contre, c'est magnifique. Je sais pas si vous avez vu un peu le post lié au PV des personnages. Ça va de 900 à 1150 pour le moment dans le jeu. J'ai avec saison, mais un truc stylé à faire aussi, je pense, un petit truc. Z, il va être stylé quoi qu'il arrive. Faire ça en entière, ça m'a fait d'abord le premier. Oh, c'est trop chiant. Bien joué. Bien le recover. Noxus. Merci Okidi pour le follow. Riven, je pense, ils vont la ramener tellement tard dans le jeu, je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment. Ça reste quand même un perso super attendu. Moi, il y a Draven que j'aimerais énormément voir dans le jeu. C'est la folie, parce que là, on a à peine l'alpha, et c'est vrai qu'il y a déjà plein de personnages, j'arrive à me projeter. Ça, c'est devant derrière. Bien. Trop loin. Je fuis. Espèce de menteur et tout. Tu mets des faces comme ça ici la vidéo. Ready.
Un peu haut, je crois, avec la porte. Ouais. Escanor. Non, Armstrong, c'est ça, avec la moustache blanche. Oh, bro, mais il est trop stylé, il se bat avec une porte, gros. Tu mets un petit Draven, tu vois, parce que Draven, pour ceux qui savent pas, d'ailleurs, c'est le frère de Darius. Hein. Tu mets Draven, Riven, Malphite, le jeu est complet. Après, c'est de voir l'ulti de Jarvan 4 dans le jeu, c'est vraiment. Brom is nice guy. Ouma, merci pour le sub BG. Ah, oh, j'étais trop proche. Yeah, oui. Alors le comment ça s'appelle? Le scaling est bien quand tu tapes pas beaucoup avant. Si t'es où là, tu veux passer au calme? Passer deux? Ok. Yeah!
7 gameplay Slayer, je crois, okay. Ouais, ils vont faire le taf. Après, ça reste quand même un milieu assez difficile à dominer. Aussi bon le jeu que tu fais. Donc on va voir ce que ça va donner à terme. Mais comme j'ai dit, ça reste un tag team. Hein. Pour moi, il n'y a aucun monde où je vois un tag team. Premier jeu compétitif, jeu de combat. Parce qu'en fait, c'est tellement réfractaire pour plein de gens. Mais dans, dans le domaine, en tout cas, dans le tag, dans le jeu par équipe, je pense que là, on va bien manger. Vous avez donné une estimation déjà officielle en interview où il disait qu'il souhaitait que le jeu dure à peu près 10 ans. 10 ans de suivi. Ah, je parle même des nouveaux, hein, parce que là encore je suis content, parce que, enfin, toi ça va. Poto sur Twitter, c'est l'hécatombe, hein. Ichi, il a lancé le jeu, il est parti jouer contre un peu des mecs de LoL qui avaient des pseudos, Carmine Corp, machin truc et tout. Il gagnait un match, sa rage quittait. Il se faisait insulter, il a eu au moins une dizaine de rage quittes. Il se faisait insulter sa mère en DM, il se faisait insulter Tryhard. Enfin, la mentalité LoL est bel et bien présente. Hein. Encore une fois, le jeu de combat, c'est du 1v1. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est le style de jeu le plus dur à rester à long terme. Parce que ce que tu veux, c'est que tes joueurs restent à long terme, tu vois. League of Legends, c'est un jeu qui date de 2009, qui a 15 ans aujourd'hui. Les gens, ils jouent encore. C'est cet exploit qu'il faut aller chercher. Peut-être pas les 15 ans, tu vois, mais au moins avoir un jeu qui dure une dizaine d'années, avec une belle base de players actifs. Oh, j'ai fait quoi, putain? Je me perds dans mes explications. What? Et merci. Je me laisse switch. Tu me laisses switch. Je vais switch, mon ami. J'aime bien les petits décalages comme ça parce que toi ça tombe au tic trop. Et du coup je fais pas choc. Et du coup ça rentre. Il y a encore plein de gens qui mettent ça là aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est un peu. Vraiment en termes de renouvellement des bases de joueurs, putain, ils ont fait fort avec League of Legends. T'as des gens qui commencent League of Legends en 2024, t'as des gens qui commencent. Chaque année, t'as tellement de gens qui commencent League of Legends, c'est un peu la folie. Mais de toute façon, même Riot, hein, ils ont un très bon, service de ticket. Donc, si t'insultes des gens par IT, c'est pas le mec qui va s'amuser à report, tu vois. Mais si il report, les mecs ils prennent la max. Hein.
Stand with me. Or fall before me. Exactement, ouais. Faut ban la toxicité. Darius wins. Luigi a disparu là. Ready. Let's go. Ah ouais, le tournoi c'est que PC ? Le cross-plat, mais après, c'est l'organisateur qui décide. Après, il y a le cross-plat normalement, tu vois. Bien joué, pas échange de perso, je sais pas. Okay. Non. Fureur, ouais, Fureur c'est pas mal aussi. Fureur c'est dès que vous êtes à moins de 40%. Et les damage. Beaucoup de joueurs PC c'est un peu que ça fait lourd sur le code et tout, ils ont bien le pas. Ouais, Netco ils sont magnifiques. Ouais, ouais, SOD, ça dit quoi frère? Sans comment? L'assaut comment? L'assaut commence. Qui maudissent le jeu des One. Non, ça tu connais. C'est la FGC. One.
Skio préféré pour le moment, Darius il a eu perso let's go, d'ici le dire préféré, tu n'as pas ton test mais Echo il a eu. Let's go. Ok. J'ai bloqué. J'ai trop attendu. Putain, ça faut pas que j'attende, faut que j'envoie directement et ça. C'est vrai que j'utilise pas encore le pari beaucoup. C'est pas mal, il y a des situations où on peut punir, mais il y a plein de situations où on peut pas spécialement punir. On avait testé avec Ichi et c'était un peu ghetto parfois. Ah non, moi j'avais déjà call, sodé. Hein. Première annonce en 2019, je vois Darius, ça part sur Darius Dings. Dès qu'ils ont annoncé Ilaoi et Brome, je dis ce sera Ilaoi et Brome en deuxième. Des persos que j'apprécie beaucoup en plus dans League of Legends, donc tout va bien. Ça joue en 2v2 aussi, ouais. Alors peut-être que les gars. Alors peut-être que. Oh le combat! Said you wanna be starting something, you got to be starting something. Ready. Said you wanna be starting something, you let's got to go. Be starting something. Keep moving. Wow. Whoa!
Yo! Ça touche! Ah putain, l'armure s'est passée. Sans rythme, ça roule tout seul, c'est rapide, mais pas non plus trop vrai pour les vips. C'est smooth! Smooth criminal! Il est né, les gars, même quand la tête comme certains, parfois trop poussé, ça se passe crème de. La quem de la quem! Gazer! Et la quem de la quem, I know what you're saying, bro! I get it, I get it, I get it! Hop là! La famille, ça va, mon pote, on est là, hein. Ça, on est là, charbon. Du coup, ça, c'est une petite spécificité, les gars. C'est que les coups chargés cassent les armors dans le jeu. Donc, si vous dites le mec, il va peut-être faire une wake-up armor comme là. Tu fais l'armor et comme vous avez vu, ça a cassé l'armor, ça m'a donné launcher en plus. American Reset deux fois. Hein. C'était volontaire les drops. Pour recapturer derrière. C'était vraiment propre. C'est comment de ton côté, Sodé? Ah, ça c'est lourd. Non, j'ai pas assez recover. Je voulais mettre la super level 2 invincible pour passer à travers. Let's go. Non, ça tuera pas, ouais. Bonjour, bonjour Bakary.
Niveau prise en main, c'est comme SF ou MK, aucun des deux. C'est comme un jeu tag team. Bless Blue, Cross Tag Battle. Un jeu tag team Air Dasher. Donc MK et Street étant des jeux de combat traditionnels, ça a vraiment rien à voir. Ah dommage. Bien joué. Oh non, oui, c'est vrai que ça attrape. Ah, oh, c'est beau. Ah, j'ai mis l'armoire. Hein. C'est la violence, cette armoire. Et du coup, dans cette équipe, ce qui est bien, c'est que tu peux bourrer ça. Et si t'as la barre pour faire rentrer Braum, t'as la super safe où il balance les colonnes. En vrai, c'est très stupide. Et c'est très fort. Ça sera peut-être un petit peu corrigé d'ici là. Heureusement qu'il y a des DHC. Hein. Il fallait s'inscrire à la bêta, wesh, Odé. Non, pas forcément Sonic Fox, sinon c'est juste les créateurs de contenu et les joueurs pro comme Saucy qu'on a en France. Il y avait pas mal de gens qui ont reçu des clés en France. La reine, j'ai vraiment bol, hein, putain. Du coup, il va s'en prendre le follow. La reine, j'ai vraiment bol, et ça, c'est cool. Le Braum. Je sais pas s'il joue toujours ou s'il arrête. Ou si je vais au lab. On va les train un peu, je crois. Il est quelle heure là déjà? Il est déjà midi 52, ça passe tellement vite, frère, j'ai le démon. Select your champions.
Choose your destination. Piltover. Ah, ready. Let's go. Go hold the door. Hold the door. Ah, celle-là aussi, elle met le bouclier bien, donc c'est pas grave. Quick! Quick! Quack! Chez la garde! C'est quoi le fuse que vous avez plus, le plus rencontré depuis le début du jeu, ou celui que vous utilisez le plus? Fureur, 80% du temps. Ok. Je pensais pas que ça aurait été aussi populaire, Fureur. Ouais, je pense que c'est le plus simple à utiliser aussi, tu vois. They got the axe. Darius wins. Select your fighters. Darius. Darius. You select. You select. Choose your destination. Papa, papa. Ah. Il m'a attrapé, Godspeed. Mais ouais, mais j'avais la capture pour full screen, je sais pas pourquoi elle est pas là. Starting now. Rom is nice guys. Unless you make trouble. We hold the week. Starting now. Ready! Let's go! Stand our back! Go, Flash! Hold the door. Do it.
Oh là là, c'est impossible ça. C'est bien si t'as pas croisé trop d'impulsions, si quelqu'un veut le moins appuyer les boutons. J'aurais pensé que ça aurait été populaire, par exemple genre le mode moderne dans Striptease il est populaire tu vois. Wow, c'est ma souris qui a... Oh merde. C'est fêtège. Select your fighters. Darius. You select. Bizarre interaction que j'ai eue là. Alors attendez. On met ça. Prends la capture, elle est buggée. Ok, non, elle est là, voilà. La capture est full screenée, mon Godspeed. J'ai pas eu de soucis, Stain, j'ai branché ma manette de PS5 et tout a fonctionné comme prévu. Du coup, je sais pas pourquoi ça t'aurait fait ça, mais moi ça va. Let's go. Dis-leur sauter. Et c'est vrai, il est pâtissier pro. Out of the little ones!
Cette guitare elle est vraiment bien parce qu'elle remet vers le mid screen. Et ça là, comme ça, ça me permet de faire cette level 1 qui est la plus puissante de Brome. Non, ça c'est le unsafe. Je me suis embrouillé dans mes boutons. Putain, j'ai même pas pris la peine de faire le combo en me disant que ça allait tuer, mais en vrai j'ai été totalement trop ambitieux. Ça ne va absolument pas tuer. Ouais, j'ai rien dit, du coup j'espère que tout le monde va bien dans le chat. Ça tue finalement, ça tue, c'est bien, ça tue. Je pensais pas que le scaling allait tuer. C'est vrai que j'ai pas fait de route longue ou quoi. Mais ça a marché. Starting now. Brome is nice. Let's go. Les impressions sont bonnes pour l'instant. Mettre la super au bon moment, comme ça, ça envoie. Normalement. Encore, il est trop tard. Stand with me.
Ça tue pas. Mais on va voir ce que ça va donner. Sullivan, c'est comment, chef? Ça raconte quoi de beau? J'allais dire en ce beau matin, mais il est déjà 13h, ça fait un moment qu'on est en train de streamer. Ah mon gars, ça prenait les portes, ça, dit wesh. Il en veut plus, les portes. On parle pas des portes du gars. Or fall before me. Or fall before me. Ah, il aurait dû mettre la super dans le bar, ouais. They got the axe. Darius wins. Ready. Let's go. C'est safe ce truc, juste à bloquer et punir en fait. La malédiction d'Arch. C'est ouf, wesh. T'es ma super, putain, c'était pas la bonne. That time. Bibi. La porte en Michi, c'est lourd, hein. La porte en Michi, c'est très très lourd.
Stand with me. Or fall before me. Il va falloir que je bait un peu plus les armors. Et que je fasse la remontada avec Bromi Brom. Il a dit qu'il met de bonne humeur. On va vous mettre de bonne humeur, les gars. 1, 2, 3, et ça tue. Allez, ça repart à 0 bar. On prend les mêmes, on recommence. 1v1, il a oui. Il a oui, viens ma chérie. Allez, c'est pour moi, c'est Yaboy Reza qui régale. 1, 2, 3, neutral jump. Tu alors peut-être que 1 tu fais les trois barres. J'ai bloqué. Double KO. Double KO, vous pouvez clipper. C'est grave unsafe. C'est juste que je bloque. Il a brisé la malédiction. Ça a marché, random. The B. Double KO là, c'était vraiment pour m'éteindre. Oh la porte qui est partie trop tôt. Kaboom, kaboom. 1, 2.
petit pif, c'est pour la boy. Patate! 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 À la fin, c'est les poros qui gagnent. Comme dit Karaté, à la fin, c'est l'amour qui gagne. Ready! Let's go! Merci. C'est tout ce que j'attendais. Le petit pif dans la garde, alors more unsafe. En baba, vraiment, ça te laisse très peu de chance de le rater. Normalement ça tue pas, mais ça va être pas mal au niveau des barres de vie. Ce qui est dommage c'est que moi mes deux level 3 laissent assez loin donc y'a pas d'autres kits aimés. Ah c'est un safe, ok. J'avais bloqué pour baiter la super. Faut que je vois mes coups safe avec Brome pour baiter la super. Non, j'ai dashé à frais. T'as vu, j'ai attendu qu'il fasse la super et j'ai dashé derrière pour punir, sauf qu'il a tué le premier hit et je me suis fait chier par le deuxième hit sa mère. Oh, je suis maudit.
J'ai mangé la spéciale l'eau de Tekken. Pourquoi ça a pas puni? Peut-être que la deuxième super elle est pas unsafe en bloc. Je sais pas si ça tue. Mon dieu. Tout spécial super, ouais, c'est celui qui met le moins de scaling, je crois. Rentrer Brome, le Brome magique. Comme The Beach, tu m'as jeté un sort là. Damage, du coup, faut passer en dessous, au-dessus. Ready. Let's go. Pas de reduce damage sur EDH, c'est ça. Je
Hey. Yo! Ah, Darius, il est beaucoup plus rapide pour la rattraper en étrange. Il y a des bons dégâts, ouais, Magda. Cinquième. 2M. J'ai pas réussi à toucher. Let's go. Oh là là, j'ai pas eu le temps de bas médium. On va dépenser directement, aucune prise de risque. Super. Oh, j'ai pas eu le temps de bloquer. Ça tue ? Ah, j'ai pas eu le temps. Putain, j'ai merdé. Oh, ça allait arriver aussi vite. Darius wins. Let's go. Jump!
Ça c'était un beau rendez-vous, hein. C'est super bien joué sur celui-là. Let's go. Niche, tout en beauté. Ça c'était un cinquième. Ok, excellent round aussi ici. C'est hyper dur quand même. En étral, au niveau de l'arène, j'ai pas grand chose que je peux faire. Qu'il n'y a pas les barres en face. Le potentiel pif il est pas mal dans le jeu parce que les barres de méta remontent assez vite. Du coup quand t'arrives au deuxième round ou au troisième round, premier décalage tu peux manger une level 2. C'était un peu chiant. Ah, fallait que je tape, hein, sinon après je mange spécial et je suis mort. Shmakura. Ouais, il y a Paris ou Reversal Pif, ouais. Ready. Let's go. Stand with me.
Perform for me. Derrière, il est pas bon. Hein, tu vois. Darius wins. Darius wins. De taper après ça. Je sais pas si... Ouais, c'est assez normalement, y'a pas beaucoup de reduce damage, j'ai fait 5 coups. Ouais, c'est assez, ouais. Non, faut garder le point. Hop là. Pour cette mission, ça c'est bien. Y'a Shop, en plus ça tue. Ouais, il a les barres. Ah, ça sent la clé, c'est ça le problème de vite au premier étage. Il mange tout ce qui passe par en bas là. Ouais, pendant qu'il mange combo, il mâche armor au cas où ça rate. With me. Garder le burst pour le round suivant, ouais. C'est pas mal ça aussi. Par contre, il a plus de barres de buffer que moi. Quoi ?
Ok, il a bursté. Super pour les coups, ça fait trop mal. Je suis à ouf moi. Il y a plein de situations où j'avais l'avantage vie et je chassais Ila Oi et c'est pour ça que je mourais. Tu vois, j'étais un peu trop dans l'entertainment. Alors qu'en vrai, si tu mènes, au-delà de l'aime, pas l'aime, c'est à lui d'aller te chercher, c'est à lui de faire des erreurs et vice versa. Si c'est lui qui mène, c'est à moi d'aller le chercher, tu vois. La chauve-spère va passer, moi je vous le dis. 1, 2. Quand je dis qu'elle passe, faut qu'elle passe. Cassine des aides, ça fait quoi? Merci pour le follow. Ok. Ready. Let's go. Ah non, j'ai pris la super. Oh,
Ouais, je sais pas si l'autre super s'est rattrapé, du coup on renvoie. Hein. Allez. Zwa. Zwa. Et Zwa. Le doublé, c'est pour Yaboy. Bon, par contre, ça va être un peu chiant, il a. Va falloir que j'aille la chercher un petit peu, il a les barres de metteur. Ah, j'étais pas assez loin pour la garde. Là, je suis au cac, il y a 50-50. Il a la super. C'est trop bien. Putain, il y a Oki Zeme surtout. Les groupes, ok. Non, j'ai bloqué ça par contre. J'ai pas appuyé de bouton dans les gars. Les gars, faut tenter la remontada là. En vrai, j'y crois pas. Allez, vas-y. Il y a juste à mettre spécial, je suis mort. Hein. Je vais décaler une chop spé, mais vas-y, il était bon là. Bien joué, pap. Ah, j'ai attendu, putain. Ah, j'ai raté mon armor. Enfin, un mort super DHC. Le truc bleu que j'active. Ah, je. Le pushback. C'est le. Ouais, c'est le pushback. J'appuie le bouton de dasher au moment où t'es au corps à corps. J'ai bloqué ? Ah, j'ai bloqué, mais non ! Ah, je mange trop de pif, pourtant je décale tout. Je mets la garde après. Je comprends même pas comment j'ai mangé ce pif. Il semblait que j'avais bien fait le coup save, j'avais attendu tout ça tranquillement. Bon, c'est pas grave. Ça c'est pour Bibi. Ça c'est pour Bibi. Ça c'est pour Bibi. Prenez les gâteaux. Je sais pas s'il y aura une autre vague de code, mais on va peut-être faire gagner des clés sur Twitter là. Oh,
Oh, on a envie de rater. Il a super, ouais. 8 ball. Ça punit avec le pari, ça, c'est bien. Ready. Let's go. Oh mon gars, il a mis super dans ma super, j'ai remis super derrière. C'est pas super ça les gars? Il y avait un bail de super non? Adieu. C'est super les gars non? Super. Allez, on égalise. J'ai voulu aussi attendre pour le mauvais saut. Ça n'a pas marché, forcément. Ça joue ici Mehdi apparemment ouais. Fortify. Mm-hmm.
JVP du super marteau de Brome, vivement qu'il fasse un crossover Tekken qui le mette Shine dans le jeu, j'avais quelque chose. Non, pas de Shine, frère. Pas de Shine, mon gars. Salto, bounce et la hache pour Bibi. Mon avis, starting something. Ah. Quand tu fais dash avant en même temps pour taper, ah, c'est vraiment pas la bonne sauce. Tant que t'es dans la zone. J'ai l'impression que s'il prend la 6 dans la super, moi je mange la super alors que j'étais pas en train de taper. J'ai bloqué, genre. Je sais pas comment ça fonctionne, ça me perturbe un peu. Gentillère, putain. Ils ont littéralement 50 ans de season pass à 5 persos par pas. Le poisson, non, on commençait pas avec Fizz déjà. On commençait pas à troller. On était bien, on commençait à prendre le jeu. Je voulais ramener Fizz dans Disco. Y'a aucune raison de ramener Fizz ici. Moi je savais déjà qui je voulais jouer quand j'avais vu les annonces des persos. Du coup là je me focus sur les persos pour apprendre le jeu. Prendre des automatismes, optimiser un peu ce qu'on fait, tout ça. Je suis pas spécialement en quête de faire le tour du roster. Là genre Echo, j'ai absolument pas envie de le jouer. Yasuo, j'ai pas envie de le jouer. Harry surtout, Harry et Echo surtout eux deux. Shoot!
Mais moi, ces persos, je pense à Tremor. Ah bah non, parce qu'ils ont pas de projectile. À part le pressing qu'ils ont, mais ils ont pas de projo. Moi, j'aime beaucoup les projos dans les jeux de combat. Mais j'ai un Tremor dans League of Legends. J'ai un Tremor dans League of Legends et il s'appelle Malphite et c'était mon main top. Donc si Malphite arrive un jour dans le jeu, là tu verras le vrai Tremor. Hein. Il a le BF3, il a tous les trucs, il a l'armor. C'est vraiment Tremor version League of Legends, tu vois, Golry. Ah, dans le sens qu'ils sont gros, ils tapent fort. Ouais, après, voilà, tu connais, gros Renoir, hein. Attends, j'envoie un message à Pape pour pas partir en voleur, je lui dis dernière. They got the axe. Darius wins. Comment tu launches sans l'appel assist? Non, Pape, il est muté depuis tout à l'heure, il est sur son stream aussi en même temps du coup. Je pense que c'était plus facile comme ça. Oh. Nice. Jouer demain ou ça? Ouais, je vais jouer demain dans tous les cas, enfin je suis là. Nice. J'attendais la super en plus. Il la met pas après la balance. Donne-moi mes pifs. Pas en plus t'es air to air. La fameuse Sona qui va arrêter de jouer des persos bizarres, les gars. Vous êtes là, vous êtes des grands gaillards comme ça, sur un stream de grands gaillards. Vous préparez les trucs chelous là. Yes!
Ah, tu fais une décalage. T'as pas ton beauté. Fall before me. Fall before me. Ah, réduce damage, ça tue. Pas tapé beaucoup. Change de côté un petit peu. Parce que là, il y a une remontada avec Darius, les gars. J'étais dans ma bulle. J'ai vu. Ça te réussit ta bulle, donc du coup c'est très bien. Bon, bah écoute, merci pour les games. J'aurais voulu encore rester une éternité, une infinité. De mais ouf. Je me suis fait attraper. J'ai mis une petite disquette encore une fois dans le Discord des Saoudiens. Bon, ils m'ont dit tranquille, j'ai dit j'arrive à 14h30, donc là c'est parfait. Je coupe à 12h13, je prends une douche 5 minutes, hop hop hop, un peu de lotion, un peu de crème, et on y va. En tout cas, bah merci pour les games. Ouais. J'ai bien aimé là, le petit counter-pick là. Ah bah en fait, dis-toi que le Darius il m'a tellement énervé, j'ai dit vas-y tu sais quoi, je vais le prendre, on va voir si c'est facile. Et let's en fait go. C'est tellement facile à prendre en main, je me suis dit ah tiens en vrai on s'amuse bien. Ouais, facile à prendre en main, tu t'amuses bien. T'apprends juste la route recapture, t'apprends la route classique pour launcher. Et la route ouais, corner. Ouais là c'est ce que je vais bon. Faire là. Ouais là je vais le faire tranquillement. Tahiti aussi qui joue Darius, du coup hier soir j'ai joué contre son Darius un peu toute la soirée après. Donc c'est cool. En vrai. Bah écoute, merci mon refrain. Vas-y.